Traverse. Traverse. Votre attention, messieurs. Silence. Notre mission nous conduit ici, en Sicile, dans le village d'Adanti. D'après le S2, quatre postes de tir anti-aérien y ont été installés. Le premier se trouve à l'ouest, dans un secteur qu'on appelle les Coteaux. Le deuxième se situe juste après la porte nord-est qui permet de quitter le village. Les deux derniers sont solidement défendus. Ils se trouvent sur le toit de la mairie, où l'ennemi a récemment installé son PC. Voici notre dernier repérage sur la zone de saut. Les repères rouges signalent les secteurs à forte présence ennemie. À moins que vous ne comptiez gagner cette guerre tout seul, je vous conseille de les éviter et de vous diriger vers les balises vertes. Nous partons dans 2 heures. Rompez.
Mi
Pierce, dites au commandant qu'on tient la zone. Chef, le sergent Setzer demande des renforts, ça urge. La vache. On risque pas de se marcher dessus. Ok, vous et traverse, allez-y, j'attends là. Je peux pas le voir, ce Setzer, de toute façon. Feu.
Scott Webb, commandant en chef. Voici le compte-rendu de fin de mission de la 82e aéroportée. En date du 11 juillet 1943. Atterrissage à 22h30 sous un feu nourri. Nos paras ont détruit les postes de tir antiaérien ennemi dans et autour d'Ananti. Le village et ses environs ont été repris. L'ennemi se replie actuellement vers le nord. Cette opération, premier saut de combat de notre unité, a été décisive. Mais douloureuse. La guerre a commencé. Espérons qu'elle finira vite.